Bon, salut les amis trailers et traileuses. Écoutez, voilà, on entame la troisième semaine d'entraînement. Aujourd'hui, lundi, aujourd'hui on va faire de l'endurance fondamentale. On est parti pour une heure, à un rythme tranquille. Ici le Mont Cassel, très joli village, franchement il y a des coins sympas et il y a des courses qui se passent là sur le Mont Cassel. On a Cassel Montagne d'un jour, 15 km avec pas mal de dénivelé. On a le Cassel by Night, ça se passe à Noël, au mois de décembre. Et puis il y a aussi le Trail des Trois Monts, enfin, le Trail des Trois Monts c'est dans pas longtemps. Bon, je vais répondre à une question qui m'a été posée par un abonné, il se reconnaîtra. Il m'a demandé si je faisais, si je préparais mon entraînement seul ou avec quelqu'un. Alors, je lui ai répondu, hein, mais bon, je vais répondre à tout le monde, parce que c'est une question intéressante. J'utilise une application qui s'appelle Run Motion. Bon, on est parti pour l'entraînement de mercredi, deuxième journée de la semaine. Aujourd'hui on va faire du fartlek, donc je répète simplement 20 minutes d'échauffement comme d'hab. Ensuite 8 fois 3 minutes de fartlek avec 2 minutes de récup entre les 3 minutes. Et on termine avec 10 minutes de jogging, retour au calme. Voilà. Alors le fartlek c'est simplement s'amuser à faire des accélérations, décélérations, changement de rythme, changement de foulée. Voilà, on va faire des changements de direction. Oups là. Oups là. Je suis sorti du bois. Plutôt pas. Allez, on va essayer de repasser dans les bois. Voilà. Je crois que j'ai récupéré un sentier là. Ouais, c'est bon. Donc on est en échauffement. Sur ce genre d'exercice, on peut partir trop vite et se brûler les ailes. Il faut vraiment être prudent. L'échauffement est essentiel. Voilà, dans 20 secondes, on va commencer le fartlek. Allez, 3 minutes. On va accélérer. Hop. Hop, c'est par là. Où est-ce qu'on tient ? Allez hop ! Et il monte, hein ! Hop, 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 thank you.
Ouais bah, je suis paumé. Paumé, il n'y a plus de sentier. Bon, faut que je retrouve un sentier, moi, sinon, je vais pas la finir, moi. Allez, c'est parti pour la troisième. Bah écoutez, voilà, on est vendredi. Comment ça s'est terminé cette séance de fartlek? Bah écoutez, ça a été assez difficile. Je vous l'avoue, ça a été très très dur. J'étais complètement paumé dans les bois. Il y avait au sol un tapis complet de ronces. Après, j'ai enfin retrouvé effectivement les sentiers et j'ai pu terminer tranquillement. Voilà. Mais difficile, difficile hein, le fartlek. 3 minutes en intensif comme ça, ça a été compliqué. Bon, je suis allé jusqu'au bout. Faut rien lâcher. Hein. De toute façon, je vous l'ai déjà dit. La séance du mercredi, généralement, c'est une séance où on reste faire mal. On part avec cet état d'esprit et puis on y va. Hein. Bon, là aujourd'hui, on est un peu plus calme, on est vendredi. On est parti pour 1h10 de course en endurance fondamentale. Ceux qui ont un cardio-fréquence-mètre, c'est 70% de la SCM. On essaiera de caser 5 fois 15-15. C'est parti! On se retrouve juste après la course pour le bilan complet de la semaine. C'est parti pour 15 secondes, 15 secondes à fond. Allez, hop. Allez, deuxième appel. 15 secondes. Cinquième et dernière. C'est fini. Après. Les 5 x 15 cases sont terminées. Allez. On termine la séance. Bon ben voilà, la semaine est terminée les amis. Et alors petit bilan quand même. Donc la semaine a été quand même dans l'ensemble, ça va. Le fartlek a été difficile, certes. Aujourd'hui, j'ai un peu quelques douleurs. Le corps commence à se réveiller. J'ai des douleurs au niveau des lombaires. Donc, il serait temps peut-être que je fasse un petit renforcement abdo-lombaire. Une petite douleur qui commence à poindre au niveau du genou. Donc, attention au syndrome de l'essuie-glace. Le fascia lata. Donc, faire des étirements au niveau du genou. Sinon, à part ça, on est prêt pour la semaine prochaine. On a fait à peu près une bonne trentaine de kilomètres cette semaine, ce qui est pas mal. Voilà. Allez, les amis, on se retrouve lundi. À bientôt. Ciao.